Hey, salut à tous les amis, c'est Amy. Cette fois-ci, exceptionnellement, on va parler d'un jeu qui n'est pas encore sorti. Bienvenue dans la vidéo de découverte et de présentation de Cities Skyline, le city builder qui doit racheter toutes les erreurs de SimCity 5. Et croyez-moi, ça va pas être une mince affaire. Vous aussi, vous avez cru en SimCity 5 au point de craquer votre slip dans la Digital Collector Edition à 80 boules. Vous avez ensuite subi une période de déni où vous défendiez le jeu corps et âme, en ignorant ses nombreux défauts, avant de sombrer dans une longue et pénible période de dépression en vous rendant compte que, oui, Maxis avait foiré SimCity 5. N'ayez crainte, Cities Skyline est fait pour vous, et il débarque cette année. Bien évidemment, le jeu n'est absolument pas encore accessible pour le grand public. Cependant, il s'est dévoilé par le biais de vidéos et de streams commentés par les développeurs sur Internet, ce qui nous permet quand même d'avoir une idée de ce à quoi il faut s'attendre pour ce jeu. Par exemple, le zoning devrait rester assez classique, divisé en zones résidentielles, commerciales et industrielles de petite et forte densité. Il sera possible de spécialiser chaque quartier dans une activité principale et d'appliquer des politiques adéquates à ces activités. Chaque quartier de votre ville peut ainsi être optimisé selon les besoins des activités qui s'y trouvent. Il faut un petit peu penser au système d'arrêtés municipaux dans SimCity 4, mais cette fois-ci non plus appliqué à l'ensemble de la ville, mais à des zones spécifiques pour répondre à des besoins spécifiques de ces zones. Concernant le réseau routier, plusieurs outils seront disponibles pour créer un réseau routier dense et complexe, de la petite route de campagne jusqu'à l'autoroute à 6 voies, avec la possibilité d'échanger les structures complexes telles que les échangeurs via le Steam Workshop. Également, le jeu va gérer dynamiquement tout ce qui est fluide, notamment l'eau, avec la possibilité de créer des barrages hydroélectriques pour assécher certaines parties de la ville et gagner ainsi un espace constructible. Est également prévu un outil de terraforming pour que les joueurs puissent personnaliser leur map et jouer sur des maps personnalisées, ainsi qu'un support du modding via le Steam Workshop. En gros, tout ce que SimCity 5 ne faisait pas et qui a déçu dans l'annonce du jeu d'Electronic Arts. Pour le moment, Cities Skyline ne s'annonce pas franchement révolutionnaire pour autant. Après la prise de risque qu'était un SimCity 5 tout online, retour à un contenu uniquement solo et à la base de la base du City Building Game, sur un moteur moderne, à savoir Unity, légèrement modifié pour les besoins de la simulation. Il faut espérer que ces légers ajustements et ces quelques maigres nouveautés par rapport à l'offre déjà existante d'anciens City Builders suffira à convaincre les joueurs déçus et à remettre le City Building Game sur les bonnes rails.